Alors moi je suis venu ici chercher surtout l'innovation, comme certains stands, comme IBM par exemple, qui proposaient, qui montraient des robots connectés au cloud, ce genre de choses. Donc c'est vraiment ce que je viens rechercher. Puis c'est aussi en rapport avec ma formation que j'ai de base, qui est le brand management. J'ai été bénévole au WAC dans l'édition 2014. Puis pour moi c'est vraiment intéressant de revenir année après année pour voir comment ça change, puis vraiment comment ça grandit le WAC, puis justement là avoir la quantité de personnes qu'il y a aujourd'hui, là, c'est vraiment incroyable. Ah, certainement, absolument. Je vais revenir certainement pour l'édition 2019. Au WAC, je viens ici pour rencontrer tous les gens que je ne pourrais pas rencontrer sur une période de 6 mois. Donc là, j'en profite pour faire le concentré de toutes les rencontres possibles en 3 jours. Le côté amical, friendly de la place, c'est certain. On se sent vraiment entouré de monde qui ont du fun, qui ont le goût d'être là. Ben, ce que j'aime vraiment, c'est de voir la diversité du numérique à Québec et puis un peu à travers le monde aussi, vu qu'il y a des conférenciers internationaux. Je trouve ça vraiment intéressant de voir les nouvelles tendances, surtout qui viennent des États-Unis, de la Californie, et puis de revoir tous les collègues, les gens de Québec, du numérique. Je trouve que c'est un bon endroit pour réseauter, se retrouver tous ensemble, discuter de nos projets, pourquoi pas de faire des partenariats.